on l'a constaté sur le port. Ils sont là sans appui, sans accompagnement. Et nous nous sommes dit qu'il faudra vraiment qu'on puisse se mettre à l'œuvre 20 jeunes sur chaque port. Et ici, sur le site, nous avons à peu près 30 jeunes qui sont en train d'attendre les personnes qui vont venir de Goma. Tout le travail que nous sommes en train de faire, on le fait avec nos moyens de bord, avec nos moyens propres. Donc nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement, nous avons besoin de l'accompagnement des organisations humanitaires. D'abord, mais pour le moment il y a rien. Nous sommes très enfamés, il y a même des malades parmi nous, mais nous sommes toujours là aux humanitaires de nous venir en aide.